viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve. Psaume 118, strophe 8. La terre est pleine.
réflexion sur mes voies. Et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et moi le retard. L'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Beauté juste, juge moi. Allié que je suis de tes fidèles qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 120. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il ne sommeille. Psaume 121. Ô ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes de Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que Seigneur, pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice de la maison de David. Appelez de vos jours sur Jérusalem et à tes tentes. Reviennent de vos jours dans tes murs. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur.
son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen. Béni sois-tu, Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils, tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras, assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route, couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique, et vous serez déconsacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen. Du Père Miguel, moine bénédictin, la liturgie une école de la foi. Veni Creator Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Les rares prières liturgiques chrétiennes adressées à l'Esprit Saint expriment le souhait de sa venue. Les rares prières liturgiques chrétiennes adressées au Christ Jésus expriment elles aussi le souhait de son retour. L'un des derniers versets de l'Apocalypse, et donc de la Bible, est celui où l'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, inspirée par l'Esprit, disent « Viens, Seigneur Jésus ». La célébration du mystère de la Pentecôte, qui clôt le temps pascal, nous permet de dégager la structure de la prière chrétienne. Dès les origines chrétiennes, la prière est adressée au Père par le Fils dans l'Esprit. Le Fils est le parfait orant. L'Esprit est celui qui prie en nous. Le Père est celui vers qui monte toute prière. Il y a là plus qu'une structure théologique ou une méthode d'oraison. C'est l'expression même de la foi chrétienne. Quand nous prions l'Esprit Saint, c'est pour lui demander d'inspirer notre prière. Quand nous prions le Christ, c'est pour lui demander que notre prière soit conforme à la sienne. Viens, Esprit Saint, viens, Seigneur Jésus. Mais nous ne demandons pas au Père de venir à nous. C'est à nous d'aller vers lui, de passer en lui avec le Christ. L'Esprit Saint qui habite en nous, qui jaillit en nous comme une source d'eau vive, nous murmure comme au cœur d'Ignace d'Antioche, « Viens vers le Père ». Qu'il s'agisse donc des oraisons que l'Église nous propose dans la liturgie ou des prières improvisées
que nous pouvons adresser à Dieu dans un groupe de prière ou dans le secret de notre chambre. La prière chrétienne s'adresse au Père par la médiation de son Fils Jésus-Christ et sous l'inspiration de leur Esprit Saint. À eux soit gloire, honneur et puissance pour les siècles. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Vous serez le sacerdoce saint, présentant les offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre. Frères, allez vers le Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber.
Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire. La fête qui nous réunit aujourd'hui, notait Saint-Augustin, est la dédicace d'une maison de prière. La maison de prière, nous y sommes, poursuivait-il, et la maison de Dieu, c'est nous-mêmes. Nous sommes construits en ce monde pour être consacrés à la fin du monde. La construction de l'édifice se fait dans la peine, mais la dédicace se fait dans la joie. Oui, c'est bien à la joie et à la bénédiction que nous convie l'Église en ce jour où nous célébrons la dédicace de notre Église Saint-Gervais, Saint-Protais, c'est-à-dire sa consécration. Toute la création, aux yeux de la foi chrétienne, est comme consacrée, puisqu'elle vient de Dieu et elle retourne à Dieu, elle est marquée du sceau de Dieu. Les baptisés sont consacrés à leur baptême, les confirmés sont consacrés à leur confirmation, les prêtres sont consacrés à leur ordination, le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, sont consacrés à chaque Eucharistie. Les époux, les pénitents, les malades sont bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les repas, les journées, les travaux, les objets même, les maisons sont aussi bénis. Pour un chrétien, et nous sommes chrétiens, tout est béni de bénédiction. Ainsi, nos églises, au jour de leur inauguration, sont elles aussi et tout spécialement consacrées. Dieu se plaît à résider dans ces maisons de pierre où nous avons dressé le tabernacle de sa présence. Et ce jour est pour nous l'occasion de rendre grâce pour la beauté de l'édifice où nous prions, pour son élévation, sa lumière, la beauté de ses voûtes, de ses piliers, de sa nef, de ses murs de pierre imprégnés de prières et qui sont eux-mêmes prières à la gloire de Dieu. Mais plus encore, cette fête est pour nous l'occasion de nous redire combien nous avons à construire ensemble un édifice spirituel, fraternel, un temple saint, la maison de Dieu. Approchez-vous du Seigneur Jésus, nous dit l'apôtre Pierre. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais que Dieu a choisie parce qu'elle est précieuse. Et vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel. Des pierres vivantes. Le nom de pierre vient de la pierre, notre saint Augustin, comme chrétien vient de Christ. Être des pierres vivantes, c'est être solidement enraciné dans la foi. Honneur à vous qui avez la foi, vient de nous dire l'apôtre Pierre. Et le bienheureux Paul VI, quant à lui, écrivait « Le nom de Pierre doit être pour tout chrétien comme un charisme, un don que le Seigneur ne refuse pas à celui qui a eu le bonheur de recevoir le baptême. La force de la foi
voilà le charisme dont nous voudrions que vous soyez tous pourvus. Que le Seigneur nous donne donc à tous ce charisme d'une foi forte, sûre, joyeuse, féconde, libre, humble, pour l'édification toujours en cours de son Église sainte. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, l'eau et le sang coulés de ton côté ouvert par la lance. Renouvelle ton Église à la fontaine du baptême et par la coupe du salut. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. En ce qui t'aime, tu viens établir ta demeure. Que l'esprit de charité fasse grandir ton Église. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, tu as bâti ton Église sur le roc. Qu'elle demeure inébranlable pour proclamer ton nom à toutes les nations. Fais grandir, Seigneur. Tu es saint,
Tu fais de nous des pierres vivantes d'un édifice spirituel pour la gloire de ton nom. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque année, tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée. De grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rende gloire et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Saint.